Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 8ème épisode des Coclopins Survival. On se retrouve au workshop comme d'habitude avec le grand, le magnifique, notre petit chef cristaux étoilé Naelf. Le grand, le magnifique, faut pas exagérer. Ah, c'était pour le truc, c'était pour l'intro. Ah, ah, il a tout cassé. Il a tout cassé, c'est malin ça. Donc comme vous le voyez du coup, Naelf, notre petit ingénieur, a du coup fabriqué des petites cartes Powerhead. Donc maintenant il ne manque plus qu'à l'alimenter en essence. Donc du coup je pense que ça va être le but de cet épisode. À la base on avait dit qu'on ferait un petit truc sur le farming, mais voilà, je pense que là activer nos petites cartes là ça peut être une bonne chose étant donné qu'au niveau poids, c'est marqué à l'intérieur pour ceux qui n'ont pas encore vu le truc. Voilà, on peut aller jusqu'à 3000 kilos, donc on peut dépasser jusqu'à 3 tonnes avec ce petit carte. Donc je pense que pour aller miner, déplacer des ressources ou autre, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que on va se faire ça avant, et puis bah du coup la prochaine fois on ira à la ferme en petit carte Powerhead machin. Donc je pense que ça pourrait être sympa aussi. Avant, petit tour de la base. Parce que du coup il y a eu quelques petites modifications comme vous l'avez vu déjà ici. Les routes ont été modifiées, donc là on est passé en route de 4 de large à peu près partout. À part ici, du coup voilà, c'est encore en travaux. Derrière du coup petit espace de stockage qui c'est pareil, clac. À sa petite route, donc on peut accéder ici avec le petit carte machin. Là-bas c'est encore en travaux, mais c'est pareil, il y aura aussi de. Notre stockage, et puis surtout ça va nous permettre de faire le tour du bâtiment sans avoir à galérer pour faire demi-tour, machin, truc bidule. On pourra faire demi-tour, on va dire que ça sera pratiquement que des routes à sens unique pour éviter toutes les manœuvres. Parce qu'après voilà, je me suis un peu spoilé le truc sur quelques streams, mais ouais, ça a l'air d'être une petite galère à diriger. Donc voilà, on va essayer d'anticiper ce petit truc désagréable en essayant de prévoir des grands espaces pour faire demi-tour, machin, truc bidule. Je pense que ça peut être sympa. Donc pour faire du coup du pétrole, enfin ou de la gasoline, nous allons avoir besoin d'une petite pompe jack. Donc ça nous avons déjà mis en place, donc ça nous a permis de voir comment ça fonctionnait. Donc en gros voilà, les pompes jack sont là, donc là elles sont à l'arrêt pour le moment parce que on n'a pas fait de bidon d'avance. Donc en gros vous posez votre pompe jack, est-ce qu'on en a, oui je crois qu'on en a une autre de fait ici pour montrer le truc dans le tooltip. Parce que du coup votre pompe jack, on est bien d'accord, vous n'allez pas la poser n'importe où. Clac, non c'est dans le coffre juste ici. Où on a notre... Hop, clac, et hop, on en prend juste une. On met ça dans l'inventaire, on la récupère. Hop. Ah, tu me bloques. Je suis pas au niveau de la porte. Ah. Tu me bloques au niveau de la porte. Bon. Là, je suis en plein milieu de la pièce. Ok, bah pour moi, t'es. C'est pas grave, je suis sorti. J'ai dû péter le mur pour sortir. Je vois, ok. Clac, donc si jamais vous prenez votre pompe jack et que vous allez voir simplement dans le tooltip, vous voyez que ça vous dit oil amount, ça vous dit la quantité de pétrole qu'il y a dans le sol en dessous de vous. Donc là on voit qu'on est à 19,91. Ici du coup nous sommes à... Paf, c'est là où on a posé nos petites pompes. Donc là on est à 20,11. Chelou ça, on a pompé du pétrole et la quantité de pétrole a augmenté. Parce qu'on est d'accord qu'on était à 20, à 19 et des bananes quand on a posé les pompes. J'en sais rien, j'ai pas regardé la valeur. Moi j'avais regardé et du coup on était à 19 et des bananes. Ou sinon pour trouver du pétrole, du coup vous avez cette solution ici. Paf, World Layer. Ici on descend dans les hauts. Paf, oil. Faire show in the world, et là on voit que c'est jaune, donc ça veut dire que du coup on a du pétrole sous nos pieds. Mais voilà, le fait d'avoir la pompe jack sur vous directement, il y a on va dire le truc de la map qui vous annonce, qui vous dit la zone, et puis après voilà, vous pouvez directement regarder la quantité de pétrole dans le tooltip de la pompe. Donc comme ça au pire ça vous permet d'aller sur les différents spots de la map, de regarder un peu quel est le truc le plus valable. Clac, donc là à l'heure actuelle du coup le seul qui peut on va dire crafter de façon efficace le pétrole c'est Naelf. Mais étant donné que j'ai pas mal de points là, ça fait deux petites journées là où j'économise mes points, donc là on a 488 skill points à dépenser.
Donc je pense qu'au niveau du pétrole, je vais me mettre aussi en mode efficace. Pour la bonne simple raison que si voilà un jour j'ai besoin de faire du pétrole, Nelf ne peut pas se connecter parce qu'il travaille ou autre ou machin ou bidule, que voilà je puisse au moins faire du pétrole. Pour le reste, au pire, c'est pas, il y a certaines choses, c'est pas très grave. Donc là voilà, pétrole, on est à fond. Il y a aussi du coup, je voulais bouger, c'était hop, Smithy. Ou là du coup, ça on va pouvoir la prendre aussi. Normalement voilà, attends, on va pouvoir te mettre à fond efficacité du coup. Oh, 70 points, hein. Paf, on t'a mis à fond aussi, même si ça a coûté un bras. Toi du coup, c'est pareil, on va aussi tout apprendre. Voilà, comme ça c'est fait, et on va te mettre aussi à fond au niveau de l'efficacité. Paf, et je peux même pas le mettre à fond en plus. Mais bon, là on a au moins 65% de réduction quand on va essayer de faire des, quand on va faire des rebars, au pire c'est pas grave, ça j'attendrai avant de crafter des blocs de béton, moins steelworking efficiency. Là on est à 80%, donc ça veut dire maintenant ça va pratiquement nous coûter que dalle quand on va vouloir crafter des, voilà, des outils en steel ou autre ou machin. Donc c'est ça qu'on voulait aussi. Donc je pense que même si on a du steel d'avance, tu sais. Ah, t'as crafté des barrels là, ça y est, tu viens de le faire. Ouais, Ouais, bon, on va pouvoir lancer du pétrole. Donc là, oui, il faut aussi ramener de la stone. Donc là, on a du fer, mais si on a du steel, j'ai vu qu'on avait du steel. Si on en a 22 en plus, va peut-être pouvoir se crafter des outils en steel dans cet épisode. Ça va faire plaisir. Lui, par contre, t'as vu, j'avais jarté la pousse, il a quand même repoussé l'arbre. Un peu chelou quand même le truc là. La simple. Oui, parce que c'était l'arbre qui avait, quand on a posé les pompes, je l'avais coupé, j'avais ramassé le truc, il y avait une pousse qui s'était mise en place et j'avais coupé la pousse. Et l'arbre a quand même poussé. Et plus rapidement que les arbres que ça fait 4 jours qu'ils sont poussés au niveau de la base là-bas là. Donc un peu chelou le truc. Donc du coup, pour du pétrole, du coup, hop, storage. Il détecte pas de stockage. Il est sérieux lui? Trop loin. Tu vois des stockages toi? Bon, on est à plus de 12 blocs là? Non. Si, attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, puis si on prend la diagonale, ouais, on a plus de 12 blocs quoi. C'est pas grave, regarde ça. Ah, oui, il y a lui qui était, il y a un peu trop. Paf! Voilà, problème réglé. Là du coup, puis on va prendre. Bon, là, ça y est, il a déjà. Ok. Mets-le dans l'autre à côté au pire. Je vais l'appeler pétrole. Non. Ça a déjà tout absorbé vu que j'avais demandé d'en crafter 40 000. Ah yes. Mais là du coup comme ça on va juste choisir le stockage pétrole. Comme ça dès qu'il y en a un de prêt, ça va le mettre dedans. Toi normalement on devrait pouvoir faire la même chose. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les pompes fonctionnent à l'énergie électrique. Donc voilà, si on va dans Power Grid Type électrique. S'il y a un truc qu'on peut faire par contre, Ouais. à déplacer le pétrole, le stockage, juste pour le rapprocher un tout petit peu et pouvoir aligner les pompes, ce sera plus propre. Ah yes, ouais, comme ça tu remets une autre pompe derrière Mais encore. comme ça, on peut en remettre une troisième à côté. Yes. Là où. Parce qu'après, est-ce qu'on aura accès? Parce que moi j'avais prévu de faire le petit bâtiment pour la raffinerie ici, là. De ce côté-là. Oui, parce que du coup, on va devoir aussi mettre en place petite raffinerie du coup pour raffiner le pétrole en diesel. Donc la raffinerie que nous avons craftée, parce que du coup, c'est un truc qui met du temps à se crafter. Clac, elle est ici. Ici, on va peut-être ouvrir l'inventaire qui est Là, on full. met un autre stockpile de l'autre côté. Hein. Ouais, au pire, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais. Clac, parce que la raffinerie, du coup, voilà, c'est une machine qui prend. Clac, on va la placer ici à l'arrache. C'est une machine qui va te prendre plus de place qu'avant encore! C'est une machine qui prend beaucoup de place, comme vous le voyez. On est par là, on part sur du 5 par 5, il me semble. 1, 2, 3, 4, Ouais, c'est ça. 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc là, c'est du 5 par 5. Donc là, c'est dommage, on peut pas accéder à l'échelle.
Donc c'est pas très grave, donc voilà, on va essayer de faire un bâtiment de façon à ce que bah voilà, elle puisse rentrer dedans, étant donné que là il nous faut une pièce de 45 mètres cubes, il me semble, mais bon, pire, ça c'est pas le truc. Vu la taille de la machine, je pense pas que les 45 mètres cubes soient super compliqués à avoir. Ouais, voilà, 45 mètres cubes, il faut qu'on ait. Ah, du matériau de tier 3 par contre. Ah, donc là va falloir qu'on voie ce que c'est du matériau de tier 3. Peut-être falloir qu'on active la rébarbe, au pire de nos cartes. Dans un premier temps, on peut les faire fonctionner avec du pétrole. C'est pas très très grave. Clac, mais du coup, on va voir ça. Donc, petite ellipse, le temps d'essayer de monter un petit bâtiment, le temps que ça craft un peu de pétrole. Et on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve. Donc, le petit bâtiment est terminé. Le fourneau, du coup, fonctionne comme jamais. Donc, là, on a à peu près une cinquantaine de styles d'avance. Mais du coup, c'est plus ou moins justifié. Voilà, on a notre petit ingénieur qui est dans sa machine, qui a lancé pas mal de craft en cascade. Hein, parce que voilà, le but de tout ça étant de crafter la petite factory. Donc ça doit être une table de craft ultime, on va dire, où on peut crafter pas mal de stuff de fin de jeu à l'intérieur. Donc voilà, il reste 9 minutes de craft et là on va avoir besoin de. Il y a encore d'autres tables de craft apparemment qu'on peut faire avec. Ah, ouais, encore d'autres tables de craft, donc il y a encore d'autres stuff de fin de jeu, donc c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, tu vas avoir besoin de plastique, c'est ça? Ouais. Donc là, du coup, on a fait déjà le pétrole, donc comme on a fait avant, donc là, on a une, à peu près une 11, on a à peu près, c'est pas, on a à peu près, c'est, on a 11 barrels de pétrole, donc on a mis notre petite raffinerie en place. Donc, du coup, déjà, juste pour essayer le petit truc, on va se mettre, là, on va déjà aller chercher du charbon. De charbon. Hop, on met dans la machine, impeccable. Hop, c'est passé en vert. Donc, on va déjà se faire un petit. Tiens, déjà, niveau du stockage, on voit aussi. Paf, il n'y a pas de coffre ici. C'est pas grave, on va voir ce que ça fait. Donc, gasoline, claque, on va se faire. Un petit barrel, donc ça met 24 secondes, donc c'est vraiment super rapide à crafter. Et derrière, tu as besoin de plastique. Tu en as besoin de combien? On te fait les 10 autres en plastique? Bah, déjà, il m'en faut au moins 6. Donc ça, je peux. Voilà. Hop, 6. Bah, t'as après, déjà lancé, donc impeccable. De toute façon, je pense qu'on va en avoir besoin d'autres après, donc. On va prendre ces deux. C'est beau ça! Petit barrel de gasoline. Eh bien donc. Ouais. Après les sous des crafts, faudra m'expliquer comment ils comptent. Tu l'as posé où? Ah, il y a un trou là. De quoi je l'ai posé où? Bah, je l'ai pris sur moi là. Hop, ça, il est dans la petite charrette motorisée là. Voilà, bah ça y est. À peine commencé déjà bloqué. Ah ok, donc pour tourner déjà c'est pas avec la souris, c'est vraiment la touche tournée. Wow. Pour la marche arrière ça va être un peu coton. Ah, ouais, t'as eu ton permis dans un Kinder Surprise ou quoi? Non, c'est un peu déstabilisant en fait de pas tourner avec la souris. Ouais. Pour le coup. Je sais que vu que je suis à la manette, ouais, c'est un peu. Mais c'est un petit pli à prendre, quoi. Mais. Oh là, le type, hein, il va déjà. Je vais niquer déjà un baril d'essence juste en faisant demi-tour dans la base. Ah bah, toi, au 1000 bornes, il faut la roue incroyable. Hein. Yeah! On est motorisé! Clac, maintenant, tiens, regarde, on va laisser oh, Nal faire. On va, c'est moche. On va laisser Nal faire demi-tour. On va rigoler. Ah oui, c'est ça, des plastiques? T'as l'impression ça a la même texture que le missing texture dans Minecraft, tu sais, le missing texture de forge. Il manque juste le truc noir et rose. Et puis. Pareil. Donc, vas-y le pilote. Ça
va, lui galère pas. Bon, moi c'est juste à la manette, faudra que je prenne le pli vite fait. Hey. Allez, ouf. Ah, ça passe pas dans les portes. Faut faire attention, il y a un petit trou de 3 derrière là. À ton avis, ça passe dans la mine? Je sais pas, vas-y, essaye. Je suis pas sûr en largeur. Peut-être de justesse, faut pas que tu te loupes. Ah non. Je marche à l'avant qui est à la main qui se lève. Ah là là. Bah du coup, on se retrouve dès que la factory est terminée de crafter. Ah, ok, on se retrouve, j'avais vite fait envie d'essayer un truc, biodiesel, donc voilà, j'ai 50 talos sur moi, donc on va juste se faire un petit biodiesel, juste histoire de voir à quoi on peut s'en... quoi ça ressemble, donc on peut s'en servir, si on peut s'en servir dans... paf, dans la petite chariot 2000, donc là ici on va l'appeler, hop, enfin, on va l'appeler, on va juste mettre... Ah, il faut aussi de l'époxy, merde. Ah, tu vois. Yeah, born to ride. Clac, donc biodiesel. Est-ce que du coup on peut l'utiliser? Ah oui, je suis con. Dans le truc. Kaying, yes. Oh, déjà, ça passe. Époxy, ah, pourquoi tu t'ouvres, toi? Hop. Secondes, tout, comme par hasard. Ah, l'époxy, c'est deux. Ah, bon, ça n'a pas l'air d'être pris en compte. Ah, ça l'a mis dans le stockage. Ah, fuck. Donc, ça veut dire qu'on peut pas s'en servir pour le power et de carte. Époxy, ça veut dire que tu vas devoir. Avec 3, tu peux en faire 5. Non, c'est que j'en ai lancé 5. Ah oui, d'accord, il manque 3 barils de 3 barils voilà. De pétrole. Ok. Bon, bah voilà, on a vu que du coup le biodiesel ça servait à pas grand chose à part si vous avez du coup un. C'est quoi, c'est thermique générateur là, non? C'est ça le. Combustion générateur. Combustion générateur, voilà, parce que j'avais sûrement un combustion générateur, ça doit fonctionner à l'intérieur. Donc. Voilà, déçu. Mais voilà, on a posé notre chariot. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à lui faire un petit baril d'essence pour plus tard. Mais là, du coup, on va attendre la factory. Elle va pouvoir se crafter, ouais. Ou il va te manquer, va falloir que tu relances des barils en mode. Voilà, j'en ai relancé quelques-uns, barils. Yes. J'en ai relancé trois. Parce qu'en fait, dans la factory, on a découvert qu'il y avait un récipient qui nous faisait gagner du fer. Donc voilà, ça coûtait du steel, mais voilà, au prix du steel, ça coûtait moins de fer à crafter que les barrels normales pour le nombre que ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on veut faire les barrels avec la factory. On sait que ça va nous coûter moins cher. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite. Oh, la factory est craftée, ça y est. Clac, on la récupère sur nous. Donc on a aussi la rolling mill aussi là qu'on a posé. Posé avant, on a récupéré, donc tiens, on va la poser aussi celle-là. Est-ce que ça passe? Paf, rolling mill, donc ça c'est pour faire des plaques de steel ou du corrugated steel, sachant que voilà, nous c'est pour avec le truc d'efficacité qu'on a, voilà, c'est pour un steel, du coup on peut crafter, non, c'est même plus, attends, j'avais regardé, c'est avec 100. Clac, voilà, pour 40 steel, on peut crafter 100 corrugated, et là c'est à peu près la même chose. Pour 100, voilà, ça va utiliser 40 steel et 20 époxy pour faire du flat steel. Donc au final, voilà, c'est pas non plus super cher. Donc là, le petit bug de t'es bloqué, donc clique dans le vent pour te débloquer. Et maintenant, est-ce qu'on va pouvoir... ça prend de la place, hein. Paf, ma cœur vaillant, rien d'impossible. Ah oui. Poser et normalement peut-être mettre le tapis plutôt de l'autre côté.
De notre côté à nous là. Ouais. Yes, if you want, it's possible. Paf. Alors, laisse-moi la machine. Paf. Là, en plus, ça fait genre comme si on avait accès au petit Magellis de contrôle. Ouais. Cap. Clac, ça va, mignonne, la petite machine là. Donc, ah oui, c'est là-dedans que tu disais là, voilà, Modern Axe. Donc là, je pense qu'on va plus partir de faire des outils en style. C'est vrai que Naël, je me faisais penser à plus faire des outils comme ça. Waouh, un stove pour deux lingots de fer. Magnifique ça. Oula, là, ça plaisante plus, les gars. Là, oula, excavator. Oula, ça plaisante plus. Le laboratoire. Le laser. Oula, bah, ça y est, on va arriver. Et c'était ça, donc du coup, le petit récipient qu'on vous parlait juste avant, la masse barrel. Vous voyez que ça nous consomme 10 steel plates pour crafter 5 barrels. Mais du coup, Naelf, avec l'efficacité qu'il a, machin, ça lui demande beaucoup moins de barrels. Beaucoup moins de steel plates, c'est ça? Ben moi là pour en crafter aïe mais en plus ça les crafte à 5 par 5. Ouais c'est ça ouais. Donc pour en crafter 5 ça demande juste 2 plaques de style. 5, tu fais 5 crafts, c'est ça? Non, je fais 5 barrels en 1 craft. Ah oui, 5 barrels en 1 craft, donc et ça te demande 2 plaques de style. Voilà. Donc voilà, vous voyez que ça coûte vraiment moins cher, sachant que les barils on les a 5 par 5. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc il y a quoi d'autre à l'intérieur là? Le petit réfrigérateur. Ah ça y est, style lamp. Street lamp. Les street lamp, tu peux les. Tu les craftes parce que c'est électronique ingénieur 3 ça. Tu les craftes avec quel prix toi? 3 plaques pour en faire une. 3 plaques pour en faire une? Ouais. Oh, mais ça va. Parce que là, moi, du coup, ça me coûte 15 plaques pour en faire une. Tu en lances une dizaine? Bah écoute, ouais, si tu veux. Vas-y. Les barils. Tu en lances une dizaine de craft aussi? Ouais, par contre, attends, fais gaffe. Parce que du coup, niveau. Ah si ça va, niveau style on a 95 là. Est-ce que t'as accès au coffre de là-bas? Ah là c'est pas sûr. Il s'appelle Fournace Sort. Non. Non on a plus de. J'ai un storage chest qui est je ne sais trop où. Bah qui est juste derrière là. Ouais. Toc. Mais c'est tout. On va en prendre combien là? 30. Ça fait trop ça. On va en prendre combien là Bobby? 8. Bon, on va dépasser les plaques 8 par 8. Donc je pense qu'on va agrandir, va falloir agrandir l'autre bâtiment. Clac, street lamp. Ah, c'est quoi le délire? Je peux pas démarrer le projet. Power. Au pire, tu mets dans le coffre. C'est de l'électrique. Ouais, mais t'as l'autre qui va prendre, non? Ah non, bah, avec le coffre. Qu'est-ce qui dit que c'est pas bon? Power grid has insufficient power. Ah, donc là, de toute façon, c'est pas très grave. On regarde ce qu'on va faire. De toute façon, il n'y a pas de fer qu'on avait fait. Ouais, je l'ai ramassé, mais du coup, tac, on va en reprendre un. Paf. C'est vrai qu'on demande plus que. Et. Ça va faire dégueulasse si on le met là. Est-ce que si je te mets par là, c'est moi ou la mèche de la factory? C'est un truc électrique, mais qui pollue quand même. Ah ouais? Ah. Oui. Ah. Alors, comment c'est possible ça? On a eu le charbon qui pollue pas. Maintenant, on a l'électrique qui pollue. Alors attends là, je. Ah ça, moi je vais les tweeter moi là-dessus là, c'est... Comment c'est possible? Expliquez-moi comment c'est possible.
C'est après, c'est peut-être si, c'est peut-être les transformations qu'a fait à l'intérieur. Possible. Qui fait que ça pollue. C'est possible. Ça, donc c'est pareil, ça là va falloir lui mettre aussi un pipe. On va amener jusqu'au toit et on fait pareil que pour la factory. Pareil que pour la raffinerie, je veux dire. Ouais. Clac, clac, clac. Donc je prends vite fait. Hop, deux morceaux de briques. Clac, toi t'as pris le truc oui. Pour faire l'escalier là. Non. Clac. Ah bah non, sinon on peut peut-être. Hop, regarde. Technique dessus. Hop là, comme ça le. La cheminée va dans le plafond. Clac, clac. Clac, clac. Regarde, on peut monter. Utilise la mobilette. Bah ça s'arrête. C'est une carriole, c'est pas une échelle. Mais c'est pas grave, ça passe. T'as pris le tuyau toi sur toi? Non, t'as pas de. Bah j'en ai mis en dessous. Après ah, oui, tu mets pas de la brique. Bah si. Attends, direct. C'est, pas pas de... c'est dans quel truc? Est-ce que tu peux vite fait enlever pour que je voie sur quel truc mettre? Je crois que c'est celui-là le coin là, mais je suis pas sûr. Elles sont craftées. Attends. On va en poser une là. Ça c'est. Important, là. C'est un tournant là, c'est paf, yeah, notre premier lampadaire est posé. Oh là, ils ont annoncé des conneries. La nuit tombe ou comment ça se passe là? Oui, en plus la nuit tombe, donc on va pouvoir voir à quoi ça ressemble, comment ça éclaire et tout. Oh, ça fait plaisir ça. Tiens, j'en ai pris qu'un, je descends en bas pour en prendre, pour en poser un ici, mais j'en ai pris qu'un, con. Clac, et la nuit tombe, donc du coup on va vite falloir poser une petite lampe en bas là, histoire de voir comment ça éclaire. Bon, toi, tu dégages. Paf. Oh. T'as vu ou quoi? Attends, je suis en train de vérifier que j'ai. Alors, les petites lampes. Ah! On a fait griller le. Est-ce que tu peux relancer nous deux éoliennes? On a fait griller le système, on a fait surcharge du réseau. Attends, on va faire des panneaux solaires, ça produit plus. oui, au pire. Au pire, on a fait une surcharge du réseau électrique. Malin ça. tac 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 tac. Toi du coup on va te poser toujours dans la lignée ici, mais on va te poser juste ici. Clac. Paraît pas mal. Ici on va en poser petite ici. Allez, 10 minutes pour en crafter. Côté là. Hé, hey, un loup derrière chez nous là. Va-t'en toi. Oh, que tu fais là? Clac, là, il en reste plus qu'une. On va la poser. Poser par ici. Hop. Ça fait plaisir là, ça y est, on a de l'éclairage. Enfin, quand on aura du courant maintenant. Et maintenant, on a de l'éclairage, mais on n'a plus de courant. Donc, forcément. les panneaux solaires, ça arrive ou comment ça se passe là? En cours de craft. Pourquoi t'en as relancé? On en a encore 4 dans le. Ah oui, je peux. Ils sont où? Là, dans le coffre. Oui. Ça va plus panneaux. J'en prends 2, ça devrait suffire. Ah, il les avait oubliés.
Tiens, par exemple, là, on peut peut-être placer. On va décaler de l'arbre. Les panneaux solaires qui fonctionnent la nuit. Hey, c'est pas beau ça. Un panneau solaire lunaire. Paf, mais c'est pas beau aussi la lumière là. Oula, ça déconne un peu le. Non. Ou c'est la. Non, ça déconne pas, c'est juste le, ouais, la texture qui est un peu. Enfin, le truc jaune là, qui des fois ça brille, des fois ça brille pas. Putain, on voit les gens, on voit. Maintenant, c'est juste dans le bâtiment où il fait sombre, donc là il restera plus qu'à faire des petites lampes, des lampes de mur. Pour en mettre quelques-unes dans les bâtiments, mais ça fait plaisir. Déjà dans les rues, on voit. Après, est-ce qu'on peut pas installer? Bon, bah lui, il met des panneaux solaires comme ça en plein milieu de la rue. Il est comme ça, lui. Ah, mais il coupe tout. Ouais. Alors, attends, Pierre, on va en profiter. On va peut-être lui. Hop. Le replacer. Voilà, clac. En mode. En mode comme ça, hop, ça, si on peut placer. L'autre à côté, paf paf, donc là voilà, on voit que les hitbox sont un peu foutus sur cette machine, mais c'est pas grave. Clac, donc là du coup ça fait qu'on produit, on a un supply de 2250 et on demande 1800 watts en tout, donc là voilà, on a un peu d'avance. On va se passer les panneaux solaires sur route, toi. Tu savais qu'aussi tu pouvais monter là avec la torche. Ah oui, là, tu fais ça. Là ici là, avec la torche. Ah ouais. Tu viens, tu hop, sur la torche. Sauter en mode tranquille. Petite technique dessus. Ouais, de toute façon au pire on fera un petit champ de panneaux solaires au pire sur le côté ou un truc comme ça, là tu sais faire un truc propre là pour. Pour du on va faire propre, on va pas les superposer. Non mais pour du dépannage sur le toit ça va 30 secondes, mais après là c'est vrai que ça fait un peu. C'est bon là, on a de l'énergie. 3250 et on demande 1800. Donc voilà, c'est bon. On est bien. Non mais c'est cool là, l'éclairage et tout est plutôt sympa. Et plutôt sympa, donc ça fait plaisir. Et puis bah je pense qu'on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Donc nous voilà, on va continuer à ménager notre petite base, on va continuer à faire nos petits crafts, nos petits machins. Donc bah voilà, là je pense que d'ici à cet prochain épisode, on va essayer de crafter de la glace fiber, machin. De quoi ? Aussi farmer un petit peu quelques ressources. Oui, ouais, carrément, parce que là on est un peu là, ça commence à être la galère, un peu en stone, en briques, en matériaux de construction, sachant que bah, on a besoin d'agrandir aussi ce petit bâtiment ici. Donc ouais, va falloir aller refarmer de nouveau. Donc là voilà, vous voyez aussi au niveau des barrels, vu que ça les craft bah, 5 par 5, il a lancé 10 crafts, donc là on va avoir 10 stacks à l'intérieur du stockpile. Donc là on a nos petites trucs qui sont éteintes. Tu vas connecter, il y a tout qui va partir dedans. Ah oui, c'est vrai que on n'a pas resélectionné le stockpile Basic High Tech. Paf, t'as pu en prendre toi? Moi j'ai pas réussi à en prendre. Ah. Pour les suivre. Clac. 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 Et donc voilà, donc merci d'avoir regardé ce petit épisode. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis voilà. Donc du coup, à la prochaine, portez-vous bien, Naelf, à la prochaine. À la prochaine. Allez, portez-vous bien. Et ciao. Ciao.